les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manu. Aujourd'hui, je partage avec vous ma façon de cuisiner la sauce Nandji. La sauce Nandji, c'est une sauce originaire du nord de la Côte d'Ivoire, une spécialité de nos parents, les Malinké. Donc, moi, je vais faire ma sauce avec de la viande de mouton. De votre côté, vous pouvez utiliser de la viande de bœuf, du poulet, ça dépend de vous. J'aurai aussi besoin de poivrons, carottes, piments, oignons, pommes de terre, ail et de la poudre de sumara, des feuilles de laurier et ici j'ai pilé du poivre noir ainsi que des graines d'anis. Dans la particularité de la sauce Nandji, c'est on va dire une sauce légumes ou bien une sauce claire. La particularité c'est qu'elle contient beaucoup d'oignons. J'aurai aussi besoin de concentré de tomates, je crois que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Aussi, en ce qui concerne les légumes, vous pouvez rajouter du chou. Au pays, les tatas, elles rajoutent toujours du chou dans la sauce Nandji. Si vous regardez ma chaîne depuis un moment, vous saurez que moi, j'aime pas beaucoup le chou. Je n'en rajoute que si je cuisine pour quelqu'un d'autre ou... Voilà. Donc, je viens de râper 2 gousses d'ail sur ma viande. Et par-dessus, je vais venir ajouter mon mélange de poivre et graines d'anis que j'ai pilé. J'ai pilé avec du sel. Je vais mélanger le tout et je vais mettre ma viande à frire. Et pendant que la viande est en train de frire, je vais mixer les oignons que j'ai découpés en gros quartiers. Une fois que la viande a bien doré, je vais maintenant réduire la quantité de l'huile et continuer la préparation. Vous n'êtes pas obligé de laisser la viande dorer assez comme moi je l'ai fait. Moi je le fais parce que c'est comme ça qu'on aime ici. Donc maintenant je vais venir rajouter l'oignon que j'ai mixé. Après quelques minutes, je vais venir mettre 2 feuilles de laurier. Je vais aussi rajouter le concentré de tomates, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et je viens sûr avec les légumes, c'est-à-dire carottes, pommes de terre et poivrons. Bien sûr, sans oublier le piment. Ça va maintenant faire près d'1 heure que ma sauce est en train de cuire. C'est important de laisser la sauce cuire longtemps pour former non seulement un bon bouillon, mais aussi pour permettre aux légumes et surtout à la viande de bien cuire. Donc maintenant, c'est le moment d'assaisonner la sauce. Il faut faire attention en assaisonnant parce que en début de préparation, la viande aussi a été très bien assaisonnée. Bon, je vais rajouter encore un tout petit peu de poudre de sumara et aussi mon assaisonnement fait maison. Mais de votre côté, vous pouvez assaisonner avec l'assaisonnement de votre choix. Mon assaisonnement fait maison, je vais laisser le lien en bas dans le fond. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer pour visionner la vidéo.
Une bonne quinzaine de minutes après l'assaisonnement, la sauce est prête, comme vous le voyez. Elle est prête à être servie. Et je me souviens qu'au pays, la tata qui faisait ça, elle rajoutait des pâtes qu'on appelle macaroni. C'était très bon, surtout pendant les périodes de fête. Donc, si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu et que vous allez l'essayer chez vous à la maison. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour une autre recette. Bye!